c'est parti. Avec moi, Fred Ferret. Donc, Fred, je pense que tu attendais un match difficile contre Lyon Sud-Ouest. Ça a été le cas, ça a été très combatif hein, durant tout ce match. Ça a été vraiment serré. Je pense qu'il y a eu beaucoup de maladresse, notamment au niveau des tirs de la part du Bezac. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce match? Ce qui est énervant, c'est qu'on fait notre meilleur match défensivement. Donc, c'est vraiment une belle équipe. Et les gars, ils ont vraiment défendu comme des chiens. Collectivement, dans les duels, etc. Donc on a gagné sur ce plan-là. Par contre, on a manqué d'efficacité en face. Ouais. Ouais. On a été maladroit à l'intérieur, on perd encore 18 ballons. Donc c'était... Ah, la maladresse intérieure, c'est nouveau. Voilà, il y avait des soirs comme ça. Mais on a manqué, oui, de liens. Des choses qui marchaient, on les a arrêtées. On ne sait pas pourquoi, donc on a essayé autre chose. Et on n'a pas appuyé suffisamment de fois là où ça faisait mal, surtout ouais. Quand ça marchait. Donc on a un peu déjoué offensivement dans les moments clés.
c'est vraiment ce qui a manqué, parce que ça aurait pu être vraiment une victoire. C'est ce qui est... ouais, on a vu vraiment que... même Chirubia à l'intérieur qui a loupé 2-3 paniers. Ouais. Vraiment, alors... On a été maladroit à l'intérieur de la raquette, c'est une certitude, ouais, parce qu'on n'est pas à 50%. Et voilà, maintenant il faut se relever. On savait que ça allait nous tomber sur le coin du nez quand c'est où là, c'est pas, ouais, pas en soi, c'est une belle équipe. La chance qu'on a, c'est d'aller à Lille. Donc à Lille, si on ne gagne pas à Lille, on ne les estime pas, je veux dire, mais on doit tout de suite prendre Lille pour s'enlever de la tête cette défaite à domicile. D'accord. Eh bien, merci, Pen. Merci. Merci. Donc avec moi, Johan Benfata, c'est bien ça. Alors Johan, je te laisse te présenter puisque le public ne te connaît pas encore. D'accord, alors moi c'est Johan Benfata, j'ai été formé au centre de formation de la commune de Rouen, sur lequel j'ai fait de cadet à professionnel. Après je suis parti en national de hockey en relais. Ouais. Et c'est cette saison que je retourne à la SAC basket. D'accord, alors comment te sens-tu déjà dans cette équipe? Ça fait deux matchs que tu as fait. Ça fait bon, deux défaites, ok, ouais. c'est pas cool, mais... C'est vrai que c'est pas le meilleur départ, surtout à domicile, puisque le dernier match, j'avais fait des essais, je suis allé directement le week-end après. J'aurais préféré montrer un meilleur visage de l'équipe à domicile, j'aurais mieux remporté une victoire. Malheureusement, ça s'est pas fait. Qu'est-ce qui a pas fonctionné sur ce match? Sur ce match, on a loupé beaucoup de choses. On attaque, en défense, on a fait notre meilleur match de la saison, je pense. Ouais. Après, c'est une très bonne équipe, on aurait pu faire. Faire mieux dans tous les domaines. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens. On perd la tête à la fin, mais je pense qu'on va plier le match au troisième quart-temps quand on est devant de 6-7 points. Et on le fait pas. Ouais. D'accord. Eh bien, merci. Merci.